souhaitez d'avoir la montre. La révolution des velours peut être comptée parmi les moments fondateurs de l'Union européenne, de l'Union européenne contemporaine. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a ouvert la voie à la réunification politique de l'Europe. Une réunification basée sur les valeurs de l'aspiration commune. Après la chute du mur de Berlin, la révolution des velours a été le tournant de l'année 1989. En tant que jeune journaliste, j'ai participé à ces moments historiques avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis fier de présider aujourd'hui un Parlement qui réunit les pays européens de l'Ouest et de l'Ouest, du Sud et du Nord. L'Europe a été bâtie en dépassant les traumatismes produits par le nazisme et le communisme. Le travail de mémoire qu'on doit tout faire est plus important que jamais. Je vous félicite pour cette belle initiative, les valeurs qu'on peut conduire encore pour rendre plus fort l'Union. Nous avons besoin d'une union plus forte. Ça, c'est les motivations que cette belle initiative a pour tous les parlements européens. Merci, merci. Merci, Ben. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Grazie, Ben, Presidente. The Iron Curtain just didn't fall, or in the case of Iron Curtain, was not lifted just by itself. They've been removed by the strong desire of the people, in our case, Czechoslovakia, who wanted to live in a free society. He wanted to rejoin our partners in Western Europe, who wanted to live in a united, free, prosperous Europe on a free continent. That was the decisive factor why the Velvet Revolution was so successful. If you look at our countries now, I'm really happy to see that in Czech Republic and Slovakia, you see really vibrant cities, vibrant villages. You see young, motivated people who speak all the languages, who travel the world, who know the Europe like, and rightfully, it is their own place. And that's an unbelievable accomplishment which we wouldn't be able to accomplish ourselves. And we did it because we joined the European Union, and that examples, that modernization of our legal order, the fact that we can be part of this biggest economy on this planet really helped us to accelerate this positive change. Appropriate to join forces and commemorate in 89 was a historic moment. Our nations should be the ultimate example of the success that you can achieve, even so that you are being destroyed.